Salut à tous, aujourd'hui 6 octobre 2016, je vais vous parler de la Ubuntu Mate 16.10 qui ne sortira officiellement ou qui sera sortie le 13 octobre 2016. Voilà donc, c'est en gros une semaine avant la sortie officielle de la série des 16.10 d'Ubuntu, Ubuntu Classic, Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Kylin, l'Ubuntu et Ubuntu Studio. J'espère ne pas en avoir oublié une au passage, bref. Les versions officielles ou les serveurs officiels d'Ubuntu. Donc j'ai pris ma machine VirtualBox, 64 bits comme d'habitude, tous les détails techniques dans un lien dans le descriptif, et je vais vous montrer à quoi ressemble cette version d'Ubuntu Mate qui propose une version de Mate GTK 3. Oui, enfin un peu de futur. Allez, on est parti. Donc je crois que le nom de code c'est YaketiYak. Pourquoi pas, il y a bien eu la Jaunty Jackalope à l'époque, donc pourquoi pas Yakutiak. Je me demande ce qu'ils vont sortir pour le Z. Je vois pas d'adjectif en Z, peut-être le zèbre pour le. Ma connaissance en anglais pour les adjectifs en Z me met un peu au. Tourne un peu en rond là. Enfin, on verra bien quand ça sortira. Ne soyons pas pressés. Voilà. Donc, Ubuntu Mate se charge. Toujours aussi rapide. Bon, ça c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est un petit bug via VirtualBox qui n'empêche en rien l'utilisation. Voilà, donc nous avons notre Ubuntu Mate qui doit manger dans les 350 mégas au démarrage. Ce style, d'autant que l'outil bienvenue se calme, voilà. Donc on va voir combien il mange en comptant l'outil bienvenue. Voilà, on va dire 350 mégas. Ouh la vache, ouais, presque 700. Oui, je pense que les processus, certains processus qui doivent manger pas mal de mémoire vive. Bon, il est un peu plus gourmand qu'auparavant. Ah mais c'est vrai que si on regarde VBox, ah oui là, VBox a déjà facilement 6 à 7 bons mégas. L'outil Welcome, Mate Session, donc là, un outil Welcome, si je le trouve. Allez, l'outil Welcome, on va voir par mémoire. Et si on ferme l'outil Welcome. Oh, d'un seul coup, on doit même pas à 500 mégas de manger. Bon, on va dire qu'il y a un petit peu de gourmandise lié à la base Ubuntu. Mais l'outil de démarrage bouffe quand même pas loin de 200 mégas. Wow. Bon, merci WebKit GTK. Donc là, nous avons un Mate, tout ce qui est plus fonctionnel et en français. Bon, faut aimer le jeu. Faut aimer les dégradés de vert. Je le concède, il faut aimer les dégradés de vert. C'est bien la couleur de l'espoir, mais au bout d'un moment. Bref. Seule petite critique que je ferai à l'agronomie générale, c'est d'avoir foutu les codes de la corbeille en bas, et ne pas avoir foutu directement sur le bureau. Après, les coups, les douleurs. Hein. Donc, on a. Bon, il n'y a pas super grand chose par défaut. L'équipement pas mal. Enfin, toujours les mêmes box. J'aurais préféré mettre Quadlibet, mais les coups et les douleurs. Donc on a Firefox Thunderbird. Donc on a un équipement tout à fait classique. Avec un LibreOffice assez récent, un 5.2, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Version 5.2. Mis à part ce petit truc-là qui cloche, l'ensemble est affichable. Avec le thème foncé. Donc dans les outils, on a l'outil bienvenue bien sûr, avec son WebKit GTK qui bouffe une mémoire pas possible. Créateur de disque, gestionnaire de mise à jour, imprimante, blablabla. Software boutique, la boutique logicielle. Dommage qu'il y ait un peu d'anglais là par contre. Mais quand même, sur la plupart des outils, c'est du français. C'est français, pardon. Donc on peut comme d'habitude bien sûr tweaker l'interface, ajuster l'interface à volonté. Avec
les apparences. Cupertino, Welcome Chapel, Fedora. Ça qui est bien avec MathéTweak, on peut toujours modifier un peu. On va passer à GNOME 2, Mutiny, qui rappellera étrangement notre interface, Netbook, Redmond. On va regarder l'interface Ubuntu-maté par défaut. Voilà. Les fenêtres, on peut activer Compiz ou pas. Je vais garder Marco classique. Compiz, je ne suis pas super fan, mais pour les personnes qui aiment, pourquoi pas. Donc merci MathéTweak pour l'ensemble. Comme je disais, c'est quand même bien francisé. Donc on va voir ce que nous propose la boutique. C'est pas mal avec le logo des cintres. C'est marrant. Ça change un peu, quoi, des trucs classiques. Non, oui, je vais récupérer le catalogue logiciel, oui. Voilà. Donc, on va voir comment se comporte cette boutique. Merci. Bon, c'est fait. Donc, on va voir ce qu'il y a. Les accessoires. Dommage par contre que les descriptions soient en anglais. Oh, ce sera souvent pour la 18.04 que tout sera en français. Mais ça, c'est quand même du franglais largement compréhensible. Ah, Frozen Bubble. Bref. Donc, tout ce qui est graphisme aussi, là. On peut filtrer logiciel libre ou pas, je suppose. Ah, c'est en fonction de la catégorie, autant pour moi. Là, parce qu'il y a quand même un sacré paquet. Le grand internet. Bref, je me tairai sur Flash. Oh, on peut essayer Google Chrome. Joie. Pardon. Tout ce qui est bureautique. La programmation sur les vidéos. Alors là, je vais rajouter ce qui s'appelle le codec pack. En gros, ce qui doit correspondre ce qu'on appelle aux Ubuntu Restricted Extras. Mais oui, c'est ça, c'est les Ubuntu Restricted Extras. Ça permet d'avoir le support d'MP3 par exemple. Je sais, c'est pas bien, mais on n'est pas dans un monde idéal malheureusement. Le MP3 existe. Du cela foutre des hémorroïdes à certains théoriciens. Bien sûr, on ne peut pas accéder à la totalité de la Logitech comme ça, mais ça permet quand même les gros logiciels les plus utilisés, ça permet de les installer sans prise de tête. Ou de les virer sans prise de tête aussi d'ailleurs. Voilà. J'ai pas, j'ai un doute pour savoir où il fallait cliquer pour avoir directement le. Voilà. Merci.
Tag on break, Kazam, que j'utilise pour enregistrer la vidéo. PTV, Random Box, Spotify, YouTube, bien lambda. Première sur l'outil système. L'accessibilité, les serveurs, plus logiciels. Alors, là, ça permet de. Bon, ben, je vais installer Synaptic. Je pense qu'il va être peut-être. Ah, voilà. Si on peut masquer les logiciels propriétaires si on en a envie. Voilà. Je cherchais l'endroit où on pouvait le faire. Bien sûr, c'était sous mes yeux. C'est quand ça crève les yeux qu'on ne le voit pas. Voilà, voilà, voilà. Je pense que correction, c'est pour les correctifs logiciels. En tout cas, l'outil boutique est bien agréable à utiliser. Voilà, donc là, je vais retourner là. C'est ouais, c'est pour les outils pratiques. C'est pour me mettre à jour des logiciels. C'est des outils correction, je vous dis peut-être. Ouais. Je trouve que correction, c'est peut-être le terme le plus adapté. Voilà. Donc, ah tiens, affiche les détails. Maté panel nous a fait un caca nerveux. C'est pas grave. C'est qu'une version bêta, donc c'est normal qu'il y ait des petits bugs encore. Continuez, donc pendant ce temps, il attend qu'il me l'envoyer. Comme je vous disais, c'est une version de ma TGTK3. Et je vous en apporte la preuve. On peut très bien passer par une de commande ou par Synaptic. Donc, on va passer par notre ami Synaptic, ça sera plus visible. Alors. Vas-y, je me suis encore gouré d'options. Préférence, afficher, voilà. Donc on va chercher Cara, gestionnaire de fichiers. Cara en espagnol, CAGIA signifie en caisse. Bon, je n'ai pas problème de réseau, mais il ne veut pas me l'envoyer. On va te faire voir. Donc Cara. Et si on regarde dans les dépendances, on va descendre un tout petit peu. Lib GTK3 avec GTK3 supérieur à la version 3.19.12. Voilà. Donc déjà, Cara est en GTK3. On veut prendre, je sais pas, Ngrappa, le logiciel de gestion d'archives. Pas de problème. Donc je trouve c'est un Ngrappa, voilà. Et si on regarde dans les dépendances, libgtk3 supérieur à la version 3.16.2. On peut prendre Matepanel par exemple. Donc le Matepanel. Maté desktop, blablabla. Voilà, libgtk3 supérieur à la version 3.19.12. Donc nous avons bien le gtk3. Ok. Alors vous avez la preuve qu'on a du maté gtk3, que c'est à peu près fonctionnel. En tout cas, l'ensemble est très rapide, très agréable d'emploi. Donc là, qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Notre ami Gimp. Non, c'est vrai que là, c'est du maté, quoi. C'est utilisable, c'est léger, c'est rapide. Par contre, utilise l'outil Gnome Disk Utility parce qu'il n'y a pas de maté disk n'existe plus malheureusement.
Et côté gourmandise du système, alors on va voir ça dans. Je peux trouver ça maintenant, des systèmes peut-être. Analyse, voilà. Donc en tout et pour tout, le système mange 7,4, tout installé. Donc peut-être qu'en vidant le cache des paquets, on va gagner un petit peu de place. C'est Baobab, peut-être, qui va nous dire la place prise. Ouais, en gros, il faut compter 7 gigas pour l'ensemble, en sachant qu'il n'y a qu'une partition unique. Mais 7 gigas pour l'ensemble, c'est pas excessivement lourd pour une Ubuntu, finalement. Hein. Pour une Ubuntu moderne, ça s'entend bien. Il y a aussi quand même pas mal d'outils. Comme LibreOffice, on a quand même aussi des outils comme. Synapse, les sauvegardes, il y a Planck, il y a pas mal de petits outils, donc on peut se dire que les 7 Go sont bien justifiés. Donc je vais changer de thème parce que ce thème commence à me faire mal un peu aux yeux. Donc ce thème ambiant de maté, on va voir l'arrière-plan peut-être. Peut-être qu'il y a des fonds sympas que je pourrais légèrement récupérer. Il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Hein. Sauf peut-être pour les amateurs de chats. Ou pour les amateurs de jukebox. Voilà. Non, mais. Je dois dire que moi, je suis agréablement surpris par la tournure qui est prise par Maté. Enfin, par Ubuntu Maté. La version GTK 3 est assez fonctionnelle. Même très fonctionnel. Je sais pas à quoi ressemble le Alt-Tab sous cette version-là. Si vous préférez les thèmes un peu plus clairs que les thèmes foncés, vous tapez un peu dans soyez nerfs. Ce qui n'est pas impossible, hein, après tout. Donc on va prendre un thème clair. On peut prendre par exemple le thème Menta. Ou encore le thème Blumenta peut-être. Ou Radiant Maté qui serait peut-être un peu mieux. Ouais, Radiant Maté est sympa, ça change un peu. Ou de l'icône qui passe mal. Mais sinon, ça fait du bien de changer un peu l'apparence. La bureautique, je suppose que LibreOffice Writer doit pas trop le passer. Mis à part toujours ce petit bug là. Bon. Voilà, bon ben j'ai plus grand chose à dire dessus, je vais éteindre la machine virtuelle. Donc voilà, vous avez vu à quoi ressemble la Ubuntu Maté à une semaine de sa sortie. Mis à part un petit bug technique, ça fonctionne très bien. La boutique est sympa, assez agréable d'emploi. Donc j'avoue que c'est une bonne distribution. Pour moi, c'est une bonne distribution. Si vous cherchez si vous cherchez un Maté qui n'est pas trop maltraité, et qui est sympa aussi l'utilisation et qui prouve qu'on peut enfin utiliser la version GTK 3, vous avez Ubuntu Maté 16.10. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, à la prochaine, bye bye!